Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur WW2K16. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va, je vous remercie. Alors aujourd'hui, on va se faire l'avant-dernier match de cette journée qui concerne le pay-per-view No Mercy qui a lieu ce soir à 2h10 sur AB1. Et puis, bah voilà, c'est Randy Orton contre Bray Wyatt. Et j'ai envie de me prendre Bray Wyatt, voilà. Je vais me prendre Bray Wyatt, je catch pas très souvent avec, du coup je connais pas forcément tous ses coups. Veuillez m'excuser, Randy Orton, je le prends assez souvent, du coup, bah voilà. Hop. Sur le manager, non. Et contre Randy Orton, il doit être juste au-dessus, voilà, parfait. Pas le manager, comme d'hab, je vais prendre le ring juste SmackDown, parce que bah, moi, les rings, ça déconne. Hein. Je vous l'ai déjà dit, durant les autres matchs, il n'y a pas de ceinture qui est en jeu, tout est ok. C'est parti. Alors, comme d'habitude, vous pouvez pronostiquer. Voilà, si vous pensez que ce soit moi ou l'ordinateur qui allait gagner ce match, voilà, vous allez dire ouais, Coty, tu vas perdre, tu vas gagner et tout. Et en vrai, à votre avis, qui va gagner? En espérant que cette fois-ci, le match ait vraiment lieu. Parce qu'à ce qui paraît, voilà, Kane il a remplacé Randy Orton pour le match, d'accord? C'est pas un problème. Surtout qu'à ce qui paraît, il a remplacé Randy Orton parce que il s'était blessé avant, voilà, ils ont simulé un petit peu tout ça. Mais voilà, je veux vraiment voir un match entre les deux. Ça pourrait donner du bon. Et comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, les deux doivent gagner. Que ce soit Randy Orton ou Bray Wyatt, les deux doivent nous montrer une victoire. Randy Orton, parce que voilà, depuis Brock Lesnar, il faut qu'il montre voilà, qu'il n'est pas revenu après sa blessure pour rien. Et Bray Wyatt, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu gagner en pay-per-view. Voilà, c'est. Enfin, quand je dis un gros match bien prévu et tout. Et il faut le voir, parce que Bray Wyatt, moi j'aime beaucoup, j'aime bien être catcheur, j'aime bien sa gimmick, j'aime bien comme il est. Et comme disait je crois que c'est un abonné, je crois, qui m'avait dit ça en commentaire. Il m'avait dit, Coty, c'est dommage que. Je crois que c'est ça. Il m'a dit, Coty, c'est dommage que Bray Wyatt l'utilise mal et tout, parce que ça pourrait devenir le nouvel Undertaker. Je sais que c'est. Voilà. Undertaker, c'est Undertaker, on n'y touche pas. Mais c'est vrai qu'il pourrait devenir un. Pour WrestleMania, quelque chose de nouveau. Et je suis tout à fait d'accord à ce niveau-là. Après, voilà. C'est vrai que c'est pas Undertaker, on est d'accord. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais bon, je pense que ça pourrait être plutôt sympa de le voir tous les ans affronter quelqu'un, voilà, le provoquer et tout. Parce que, voilà. Désolé, je suis enrhumé. Je suis sorti, j'ai attrapé froid. À chaque fois qu'il provoque quelqu'un, bah, il se fait remettre à sa place au final. Du coup, ça perd toute crédibilité. Il enlève toute crédibilité au final. Et voilà, je suis pas très fan de ça. C'est vrai qu'il y a des fois des catcheurs qui sont mal utilisés, je trouve. Et d'autres trop utilisés. Mais bon. Allez. On va catcher un petit peu quand même. Enfin, depuis tard, je le catchais, mais. Ce que je veux dire, c'est. Que, à force de parler. Je faisais n'importe quoi. Comme Matt Lampron, voilà. J'ai parlé. Et à aucun moment, j'ai fait attention que j'ai plus de contre. Voilà. Et là, je suis dans la. Oui, dans la merde. Tout à fait. Je suis dans la merde. Vous pouvez aussi laisser un petit like, hein. Ça fait toujours plaisir. Et merci à ceux qui en laissent à chaque fois. Merci à vous, mes petits loups. Seven. Et oh là. T'as osé faire ça? Hop là. Et boum. Je te le pardonnerai jamais. Jamais. Never. Ah. Quoique, si je le contre maintenant. Il est insupportable à me lancer par-dessus la troisième corde. Hein. Désolé, je suis fatigué, du coup je peux pas crier et tout. J'ai passé une grosse journée. Je ressors d'un live et tout, enfin c'est la folie. D'ailleurs, j'aimerais bien un live sur le jeu, mais bon, vu qu'il y a le 17 qui va sortir, je vous prépare un live exclusif sur le 17. Par contre, je suis désolé, je vous fais souvent cette prise-là. Vous savez, trop lourd. Donc on va essayer de varier. Non mais, en fait, c'est vrai que Bray Wyatt est lent par rapport à Orton. Et ça se ressent. Allez. Aïe, merde. Non. Tu ne mourras pas. C'est mort. Ah oui, d'accord. Il est comme ça. Ah voilà, je veux dire. Il y a un moment, calme-toi. Non mais. C'est pas possible. Ouah, mais il me contre tout. Bon, pour revenir, ça va être compliqué. Mais j'aime la difficulté. J'aime la difficulté. C'est pas de tout repos. Voilà.
C'est moi qui s'appelle Randy Randy là. Tout ça parce que je perds en ce moment. Et comme je dis, c'est mal me connaître. Voilà, il ne pouvait pas contrer. Par contre, fais gaffe parce que il a son spécial. Et on sait à quel point ça peut faire mal. D'accord. Tu l'attaques comme tu veux, hein. C'est toi qui vois. Voilà. Allez. Remets-toi sur le ring. Récupère ton endurance. Voilà, c'est parfait. Ouais. Moi aussi, je sais le faire. Hein? Sauf que moi, c'est un peu plus long. Non, c'est bon. Nice. Allez. Et boum! Tout va bien. D'ailleurs, sœur, c'est le mot magique de cette vidéo. Voilà. Déplacer sœur en. Ah, oh, mais. T'aurais pas pu rester. Allez. Je vais d'abord placer le mien. Ça va, on est en train de revenir là. On est en train de revenir bien comme il faut. Et boum. On revient. Calme-toi. Allez. Yes. Ça va bien faire mal ça. Il pèse pas 2 kilos. Alors. Voilà, finisher coin. J'adore quand il fait ça. J'adore. C'est moi, l'araignée. Est-ce que tu m'as vu? Patate. Bisous. Allez, salut. Magnifique. On a fait une belle remontée. On va tenter de faire le tomber. Même si j'y crois pas du tout. Non, si jamais. Attendez, on va récupérer un peu. Franchement, Randy Orton s'est laissé comme ça là. Eh ouais. Je dis que c'était un peu trop simple. Forcément. Mais c'est pas grave. Alors attends, relève-toi. Tu me l'as fait deux fois. C'est à mon tour. D'accord, ça fait plaisir de faire ça. Petite escarmouche. Faut faire attention à son spécial. Oh putain, what? Mais what the fuck? Vous avez vu ce qui s'est passé? Il s'est pris le ring dans la tronche. Attention. Oh merde. Oh putain, rafale le coup. Putain, il se l'est pris dans la tronche, quoi. C'est chaud. Ah merde. Non, non, me remets pas sur le ring, s'il te plaît. Pas tout de suite. Pas tout de suite, s'il te plaît. Attends. Attends, je vais prendre le chapeau de JBL. Hop là. Elle va pas venir, celle-là. Non, quoi que, non, ça passe. Bien sûr que ça passe. Pour le voir que je suis un truc pas trop con. Mais en fait, c'est... What? Oh putain, il a failli me faire un KO venu de nulle part. Merde, non. Non, putain, je l'ai dit. Il fallait que je le dise pour qu'il m'en fasse un. Non. C'est pas possible. Non, Randy, t'es méchant. Pourquoi tu m'as fait ça? Bon, et bien voilà, le match est fini par RKO, venu de l'espace. Ça s'est quand même bien passé, mais bon, j'ai perdu. C'est pas bien grave. En tout cas, bah, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like, ça fait toujours plaisir les petits loups. Et puis sinon, bah, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut. Ah, they mesmerized the WWE Universe in that match. Here's your winner, the Apex Predator, Randy Orton. The shoulders are down for three, and this one's in the books. To get the pinfall victory over such a high-quality opponent is incredibly impressive, Michael. And that's it for this week of SmackDown. Good night, everybody.